Mais nous constatons aujourd'hui ce qui nous a motivé, nous, qui n'étions pas de ce parti, à vous prendre très au sérieux. Vous êtes en train d'abandonner ces valeurs. Quand on parle de mobilisation au sein du RPG, qui est aujourd'hui le RPG arc-en-ciel, en toute honnêteté, on n'a pas besoin d'aller chercher les gens à Dubleka et à Koya. Si nous allons à Koya et à Dubleka, aujourd'hui on n'a pas le choix, ça veut dire que nous avons croisé les bras. Et ça, ça serait vraiment dommage. On ne peut pas aujourd'hui donner de l'argent à Alpha Condé. C'est lui qui commande tout. Il n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de lui donner à manger. Il en a suffisamment. On n'a pas besoin de lui donner d'un véhicule. Il en a suffisamment. La seule chose dont le professeur Alpha Condé a besoin aujourd'hui, c'est de nous sentir derrière lui, à côté de lui et devant lui. Si on ne fait pas ça pour lui, tout le reste, c'est de la démagogie. Parce que votre voisin, il était à celle qui vous aide.
chacun occupera l'espace qui lui sera affecté. Outre les sections, nous aurons les quartiers. Nous aurons les groupements sociaux professionnels. Nous aurons les mouvements de soutien, etc. Il faudrait réellement que ce jour-là, chacun respecte là où il doit être. Ceci nous permettra de savoir exactement le niveau de mobilisation de chaque section. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes prêts à donner ce monde que tout le monde attend pour enfin connaître? Il est déjà président, comme il l'a fait en Gambie. En réussissant en Gambie, il a hérité une deuxième frontière où il y aura le feu à la Guinée. Nous avons déjà des problèmes avec notre voisin immédiat, le Mali. Si Alpha Condé n'avait pas réussi en Gambie et qu'il y ait des tueries, ça va avoir des conséquences sur la Casamance. Or, la Casamance, c'est aussi à la porte de la Guinée. Alors que cet homme revient, il faut qu'on retrouve encore le RPG dont tout le monde était fier avant. Quel que soit ce que vous ressentez, quel que soit ce qui vous est arrivé, sachez que le parti, c'est votre Alpha. Et Alpha Condé n'a pas d'autre recours en dehors de vous. Oui, ce serait une fête d'obédience nationale, mais tout le monde viendra vous accompagner. Si vous sortez, les autres n'auront pas à vous arrêter. Est-ce que nous sommes prêts à cela? Est-ce qu'avant que les gens de Koya et de Libreken arrivent, ils croient qu'il n'y a plus de place? Sachez ce qu'on dit, hein. À partir du point italien, du côté droit, jusqu'à la cible, il y a souvent un vide. Du carrefour de la banque de Lanka, jusqu'au palais du peuple, il y aura un vide. Il ne faudrait pas que ce jour-là, qu'on le ressente. Moi, personnellement, je ne le vois pas parce que j'ai peur de la honte. Ah oui, il y a du haut famille. Ah oui, il y a du haut famille. C'est ça, Yama. On a un peu de Zimbé. Alpha Rafaela, on a un mascara. Alpha Yagi, on a un peu. Parce que nous, on a un peu de Zimbé. Ah, on a un peu de Zimbé. On a un peu de Zimbé. Mais il y a un sentiment. Et au dehors, il y a un peu de Zimbé. On a massé, on a massé 6%, on a cette élection réellement que les 6% sont toujours là. Guinée est un problème, on a une limite. Mais c'est surtout les jeunes. Il faut que les jeunes comprennent cela. Donc,